Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Creepy Road pour une petite découverte du jeu. Le jeu m'a été envoyé par les développeurs, je suis pas payé non plus pour dire du bien ou du mal. Mais il me semblait un peu cool, c'était un jeu du coup de action, plateforme, aventure, un peu comme les jeux qu'on se déplace de gauche à droite. On devra tuer, je sais pas trop ce que c'est comme... comme ennemi, on dirait des petits cochons, je sais pas quoi. Du coup, le jeu se passe avec un camionneur que vous voyez là, juste à gauche, qui s'appelle Flynn Tracker. Et il semble être devenu fou. C'est un homme brutal avec un fusil à pompe et un pistolet qui veut sauver l'amour de sa vie et revenir avec elle chez eux. Voilà, un scénario assez basique et bizarre. On va faire un petit start, on va faire... commence une nouvelle partie. Donc là il est en français mais j'ai l'impression qu'il est pas vraiment bien traduit ou pas bien, tout n'est pas bien à sa place quoi. Donc on va commencer en normal, on va rester. I'm Flynn Trucker and I'm a long haul driver. It's a pretty ordinary job to be honest. Not much happens. Well that was until one day. My whole world got turned upside down. It was a usual September evening, just the same as any other. I just delivered the pickled sardines to his destination. I was on my way back to my hometown of Dustburg, where I could take a well-needed breather after a long trip and see the love of my life, my Angelina. Oh, my darling. Angelina was a panda trainer in the circus. That evening, the circus was completing its tour with a grandiose performance in our own little town. I was only an hour's drive from my hometown and almost felt the warmth of my sweetheart's embrace when suddenly... a psycho bear jumps out of nowhere and throws itself on my holster. As a result of a near heart attack, I lost consciousness for a while. My holler pulled off the road and crashed straight into a billboard. When I came to my senses, I realized I'd have to get to town on foot. Ouais, donc il parle d'une camionnette, mais on est d'accord que nous, une camionnette, c'est assez petit, là, c'est plutôt un tracteur de semi-remorque américain. Alors, comme j'ai dit, il était parti pour rentrer dans sa ville natale, Strangeville. Déjà, Strangeville, ça peut être traduit en ville étrange. Alors, faut pas demander. Alors, pouf, pouf, diable, qu'est-ce qui se passe ici? Il me semblait qu'un ours a certes attaqué le wagon, non? Je pense qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. Ok. Des fois le même mot. Ok, prochain. Ah. En tout cas, rester mobile, ce n'est pas utile. On doit essayer d'arriver au lieu habité le plus proche. La route ici est un peu bizarre. Je vais reprendre la flingue avec moi. C'est peut-être plus conseillé. Alors, comme je vous dis, c'est un jeu d'action-aventure où on tire latéral de gauche à droite. Pick up, un coup de feu. Ah non, moi c'est sauté. Ok, c'est X. Ok. Oh là là, je me fais attaquer par des cochons. Putain, on dirait les. Là, c'est pas des cochons, c'est des. Je sais pas ce que c'est là dans Tortue Ninja. Là. Oh, merde. J'ai pensé une grenade, il me reste deux grenades, d'accord. Cassez-vous. Attends, il y a peut-être un succès. Grenade. Merde. Grenade. Putain, j'ai utilisé mes. Oh. J'utilise mes deux grenades comme un con quoi. Un fusil à pompe. Vra. Oh mais. What the fuck. Putain mais what the fuck, comment tu veux le. Comment tu veux l'esquiver lui, tu sautes même pas assez haut. Ah pour un saut. Bah ouais le saut j'ai pas moi. Attends, de base je suis mal conseillé quoi donc Non, pas tuer les autres. Danger, jure. Ah merde, d'accord. J'ai compris le danger. What? Grenade. Ok, je suis mort. Attends, mais c'est une blague. Comment ça se passe? T'as tout le monde qui jump sur moi, des coups. C'est quoi? Je vais attendre à gauche. Bon, c'est 50 grenades. Ils vont rien comprendre. Pas les couilles.
Attends, je suis en normal quoi, t'as vu le bordel. Là ça par contre j'ai pas compris. Mais comment tu veux l'esquiver? Tu peux même pas sauter trop. Quand tu sautes, je suis sûr qu'il nous touche quoi. Ok, hop, on revient là. Grenade, 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 grenade. Ah non, ça passe au-dessus, d'accord. Mais non, mais attends, mais ils sont 50 millions, quoi. Regarde. C'est impossible. My God. Lâche-moi! Putain! J'ai plus rien compris quoi. J'espère qu'il donne de la vie derrière parce que sinon. Ah voilà. Merci. Oh yeah. Je sais pas si. Putain, mais c'est quoi c'est. Fuyons! Hop, on va faire combien? On va faire le lapin. Hein. Mourez, bitches! Oh, yeah. Petite technique sans prendre la vie et tout, t'as vu? Oh, les grenades. Ah, d'accord, je ramasse pas la vie si. Je suis déjà plein, ça c'est cool. Danger. En fait, faut pas faire surmonter. What? Attends, y'a l'ours qui saute et tout, gros. Allez hop, trop entraîneur. Wow, wow, wow. Ah, j'ai plus de balles dans mon fil de ronde. Je vais mourir. Non. Mais c'est trop chaud, quoi. Ah, y'avait un checkpoint. Ah, j'avais pas vu que c'était un panneau de checkpoint. Bon, déjà, vous savez quoi? On va essayer de finir le premier niveau, hein. Là, il y avait un truc. Hop. Oh, c'est ça, quand on commence à en avoir trop, ça pue. Tu vois, bâtard. Grenade. Putain. Allez, je pense que c'est les trois derniers. Yeah. Attends, il y avait derrière. Il y avait de la vie, je crois. J'ai laissé de la vie. Oui. Allez, on va réussir les gens. Je sais pas combien de checkpoints par niveau. Déjà, on va essayer de terminer le premier niveau, ce serait déjà pas mal. Oh, il y a encore le vide. Oh, l'arnaque. Putain, c'est sérieux, quoi. Ma baby. Mais attends, mais l'ours il fait des jumps normal quoi. Casse-toi. Ouais. Je vais ramasser la vie derrière là. Tant qu'à faire. Hop. Il reste 8 balles. Ça c'est limité apparemment. C'est quoi, je vais écrire mon fusil à pompe je pense. Ah, je commence à avoir de la vie. Ah ok, bah c'était de la fin de niveau. Wouh, wow, c'est hardcore comme jeu quoi. Même en normal tu te fais tu galères quoi. Rambé. Ok, bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour ce premier niveau et pour la vidéo. Si le jeu vous plaît et que vous voulez voir un peu la suite de comment il retrouve sa petite Angelina, bah n'hésitez pas à liker et dire en commentaire que vous voulez avoir la suite. Ça me ferait extrêmement plaisir de continuer parce que ça peut être assez marrant, j'aime bien les jeux comme ça. N'hésitez pas à laisser un petit like et si le jeu vous plaît, je mettrai un lien dans la description et en fin de vidéo vers Steam ou GamesPlanet si ils le vendent. Et nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description. Comme j'ai déjà dit, j'ai refait entièrement ma description. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez bien, à bientôt.